Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man 2, évidemment, avec Miles Morales. Et on est Burpy, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait toujours plaisir. Et la 4K 60fps, je suis passé en mode Fidelity, il paraîtrait que ça a été super bien taffé. Donc là, on a le RTX, on est au maximum de ce pourquoi le studio a travaillé toutes ces années pour cet opus. Donc régalez-vous, régalez-moi, régalons-nous. Et on est parti, petite quête secondaire pour bien commencer. Spider-Man, merci d'être venu. Mais de rien. Je cherche mon grand-père, Earl. Il répétait qu'il avait un rendez-vous ici, mais il a disparu et... Est-ce que tu pourrais m'aider à le trouver, s'il te plaît? Une idée d'où il a pu aller? Je n'ai que cette photo. Il l'a regardée toute la matinée. Ça me rappelle quelque chose. Je reconnais ça. Un genre d'expo. Aucune idée d'où ça. On dirait que ça a été pris il y a 60 ans. Et à peu près au même moment de l'année. Je vais le trouver, vous inquiétez pas. Ok... Il perd ses repères. Agrandir la photo. C'est donc dans un zoo. Ouais, je sais où c'est, ouais, je reconnais. C'est bon, je reconnais, tout va bien. Ne vous en faites pas, on gère. C'est juste ici. Pas de grand-père, mais il y a peut-être des indices. Ok. Ces fleurs près du bassin des otaries. Ah. Ok. Ok, ok, ok. Alors, mon bien-aimé Earl. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est bien lui. Il laisse des messages, Earl, papy, papy, tu laisses des messages comme ça, toi. Mets tes pauses pour lire. Bizarre. Eh, j'ai pas encore trouvé votre grand-père, mais il y avait un message pour lui. Ça parle d'un jardin botanique. Mes grands-parents allaient toujours se balader au jardin botanique le week-end. C'est sûrement là-bas qu'il est allé. Waouh, on est déjà arrivé, ça va si vite. Ok. Oh, incroyable. Incroyable. Sur cet inhalateur. Il doit pas être très loin. Allez, c'est parti. Si je découvre ce qu'il y a dans l'inhalateur, je devrais pouvoir créer une piste jusqu'au grand-père. Ok, c'est un bel inhalateur. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ah, oh, oh. On va avoir du boulot là, les gars. Ok. Ok, donc ça, je suppose, c'est foutu. Ça, je suppose. Ok, c'est ok. Ça, il est tout seul. Ouais, je me souviens bien, là. Ça, superbe. Ça, si je détruis lui... Non, bah non, faut que je fasse ça, alors. Ok, ça a l'air de... Ça a l'air d'être pris... Oh, waouh. Attends. Qu'est-ce que c'est? Ouais, joli. Ok, ça fonctionne. Superbe. Eh, votre grand-père n'était pas dans les jardins, mais j'ai pu créer une piste avec son inhalateur. Ok. Ça devrait me conduire à lui. Oh non, c'est pas vrai. Dépêchez-vous, il en a besoin. C'est son troisième poumon. Attendez. Où je suis? C'est bon. Très occupé dernièrement. Passer du temps avec lui est devenu une tâche supplémentaire. J'essaie de suivre. Mais rien qu'à l'idée de le perdre. Je voudrais juste m'asseoir avec lui. Qu'est-ce qui tourne par rond chez moi? Soyez pas si dur avec vous-même. C'est pas toujours facile d'assumer ses responsabilités. Superbe. Je sais ce que c'est. Croyez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites de votre mieux. Il est là. Il est là. Je l'ai trouvé près du lac. Alors, papy, mon frère. Jusqu'à votre arrivée. C'est vrai? J'arrive tout de suite. Eh ouais, mais qu'est-ce que tu branles, putain? T'as oublié ton inhalateur. Bonjour, monsieur. Spider-Man? Je sais pas à quoi tu penses, mais c'est pas moi. Votre petite-fille se demande où vous êtes. Ma petite fille, oh, alors tu peux lui dire que j'arrive dans un instant. J'ai fait ma demande en mariage ici, juste là, là où nous sommes assis. Ok, vous avez dû en faire des jalouses. Ça s'est passé comment? Avant toute chose, il fallait qu'on se rende au zoo. Franchement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui aimait autant les animaux que ma femme. J'étais terrifié. Je voulais faire ma demande devant les suricates. Elles nous trouvaient quelques similitudes. Mais j'avais les jambes en coton. Oh là là là. J'y voyais plus clair. On est sorti du zoo et on a continué de marcher jusqu'à ce qu'on arrive ici. Elle, oh, si tu l'avais vue. La perfection incarnée. Mais on a frôlé les drames.
j'ai failli tomber dans cette mare. Là, oui, la tête la première. Tu as déjà été amoureux, Spider-Man ? Peut-être. C'est magnifique. Y a rien de plus magnifique. Je peux te raconter quelque chose, Spider-Man ? Je vois bien que j'oublie tout. Ça me fiche une de ces trouilles. Je pensais que j'étais prêt, mais y a rien qui peut nous préparer à ça. Rien. Mais quand je viens ici, c'est comme si elle était là aussi, avec moi. Je revis une nouvelle fois tout cet épisode avec elle. Le stress, la transpiration, tout le bazar. Et puis, je la regarde dans les yeux et je sais que je suis à ma place. J'étais tellement nerveux ce jour-là, Spider-Man, que j'ai failli ne pas faire ma demande. Et en un éclair, pouf, et elle était plus là. Je suis désolé. Tu m'as dit que ma petite fille était à ma recherche. Nous devrions aller la retrouver. J'aurais dû deviner que tu serais là. Désolée, je t'ai perdu de vue. C'est de ma faute. Je suis parti crapahuter. Mais Spider-Man s'est bien occupé de moi. On a même eu le temps de discuter de ta grand-mère. Ah oui ? Elle adorait cet endroit. J'ai l'impression qu'on a passé tous nos week-ends ici. C'est ça, les amis et super-héros. Regardez, regarde, papy, regarde quand je m'envole. Allez, salut. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, être super-héros, savoir écouter les personnes qui ont besoin, évidemment, d'être écoutées. Et finalement, on peut tous être un peu un héros en écoutant les personnes âgées, parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de quelqu'un qui écoute leurs histoires, les amis. Quand nous, on sera âgés, on aimerait bien raconter, évidemment, la nôtre. Vous vous en doutez bien. Commencez sur cette vidéo sur une petite morale. Ça fait toujours plaisir, surtout quand elle est très sympa comme celle-ci. Ok, bon, allez. Comme je disais, le chanteur, en mode Fidelity. Ça veut dire que là, il y a le RTX. Il y a ce pourquoi le jeu a été conçu. Et en vrai de vrai, niveau FPS, on n'est pas dégueulasse. Donc, très honnêtement, ça m'a l'air plutôt... Ça m'a l'air plutôt carré tout ça. C'est vrai qu'à mon avis, le boulot qui a été mis a l'air assez monstrueux du côté de Insomniac Games, hein, pour le coup. Je ne ressens pas, par exemple, le manque de FPS, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on va passer par là-dessus. On va faire la petite photo, évidemment. Sujet trop loin, trop flou. J'espère tous vous voir à la foire la semaine prochaine. Alors je vise le record de mangeurs de chili dogs. Et on m'a dit que le concours de cocktails de crevettes. Allez, superbe. Hey, et en plus, on a la quête à uniquement 300 mètres. Donc ça devrait être OK. Regardez, on va y arriver vite. Qu'est-ce qui se passe? Il paraît que ce type trempait ses hot dogs dans du jus de tomate avant de les manger. Je sais que ça lui permet de les manger plus rapidement, mais du jus de tomate. Désolé, mais c'est criminel. Ok, les amis, est-ce que vous êtes prêts? On est parti pour la suite de notre aventure. Évidemment, juste avant, je peux switcher, mais mauvaise blague. Ok, on a une nouvelle mission de forum. On a deux missions principales. Bon, allez, vous savez quoi? On va faire aller voir Mysterio et sa nouvelle attraction à Coney Island. On va aller voir Mysterio. On va faire la quête principale. Allez, soyons fous. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Miles Morales. Parce que juste avant, on était avec Peter Parker. Je dois m'habiller en Miles d'abord. Ok, après, let's go. Un tour au parc. Incognito. Quête principale, les amis. Pas de malfrats à l'horizon. On devrait aller voir ça de plus près. Il ne se présente quoi? Bonjour. Je suis Quentin Beck, le maître de l'illusion. Et voici Betsy, ma partenaire commerciale, et Cole, ma conseillère technique. Nous vous présentons la nouvelle génération du divertissement. Laisse tomber. Oh, excellent. Cool. Un jeune homme courageux, prêt à découvrir l'avenir en avant-première. Y a-t-il d'autres esprits téméraires ici présents ? Approchez, approchez, et découvrez le futur. Ok, donc... On l'a
l'appelle pas Mysterio, donc on sait pas qui s'appelle Mysterio concrètement. Avancez tout droit. Me semble-t-il si votre expérience vous a plu, parlez-en à vos amis et n'hésitez pas à essayer l'un des nombreux Mysteriums qui ont ouvert en ville. C'est gratuit, pour une durée limitée. Merci, Betsy. Je suis sûr qu'il le fera. Ça sent le guet-apens, hein. On va apprendre quoi encore? On va apprendre une petite dingue. Parce qu'on l'avait pas vu, hein. Il est pas recherché par Kraven, hein. Ou alors c'est peut-être pas encore Mysterio, je sais pas. Tant de questions, les amis, tant de questions de Turlupine. Bon, on va affiner votre expérience. Ok. Touchscreen to begin. Touche l'écran pour commencer. Pendant que vous regardez ces images, je voudrais que vous pensiez à votre avenir. Vos rêves et vos espoirs. Ah oui. Le flux de données est excellent. Et on a tout ce qu'il faut. J'hallucine. Bon spectacle. Ne vous inquiétez pas, je supervise la session. Si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise à un moment, vous nous faites signe. Profitez de votre rêve qui prend vie. Ok, oui. C'est parti. On habille en Mysterio. Alors, utilisez LR, L1, R1 pour reproduire les notes lorsqu'elles arrivent. Ok, stylé. Ouais, trop cool. Stylé. Moi, forcément, on est Miles Morales, donc ça va être que du bon son. Ok. Ok, ça, j'aime bien. Allez, plus rapide, plus rapide, plus rapide. Je sens que ça monte. Allez, plus rapide, plus rapide, plus rapide encore. Quoi? Quoi? Non, genre j'étais en retard dessus. Préparez-vous. Let's go. Ok, on change de mood. Allez, 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 allez. Non. Je suis désolé, public. Ok, 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 ok. En fait, le L1, R1 est très rapproché, on dirait pas. Allez, je vous entends pas! Ok, c'est pas mal. Superbe. Allez, accélérez-moi ça, là. On a le tempo, on l'a. Là, je veux de la vitesse. Ok, il y a moyen qu'ils en fassent un vrai mini-jeu de folie. Ok, là ça accélère. Oh, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Oh, là on est chaud, c'est chaud. Ok, là on a plutôt bien géré. Ça défonce tout. Ok, on a plutôt bien géré. Là c'est ok. Oh, ils vont tout envoyer à la fin, j'ai hâte. Oh non, 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 je suis teubé. Ok, ok. Oh ouais, bon. J'ai pas si hâte que ça, finalement. Putain, c'est grave chaud. C'est grave, grave chaud. Préparez-vous. Ok. Piège.
piège? Comment j'ai fait ça? Où est Vasily? Est-ce que c'était réel? Qu'est-ce que c'est? Bats-toi, tu analyseras plus tard. Qu'est-ce qui se passe, les gars? On sait même pas si c'est réel. Faut sortir de là. Ah non, bah non, il y a les touches. Vous m'entendez? Oui, oui. Là, juste un petit souci de fonctionnement. Ouais, je vois ça. Désolé, on n'arrive pas à vous voir. Débarque, je peux prendre les touches? Eh, c'est bizarre ce qui se passe, hein. J'ai chauffé le club, puis il y a des sales types qui ont débarqué. Et là, ils veulent me défoncer. Oh non. J'espère que vous n'avez rien. Non, je me débrouille. Mais vous pourriez pas tout débrancher ou un truc comme ça? Ce n'est pas aussi simple. Ok. Et on fait de notre mieux. Non mais attends, ça a l'air vrai, hein, c'est pas fake, hein. Je sais pas, en fait, ça a l'air d'être un mélange. Ça a l'air d'être un mélange de vrai et de fake. Ok, tiens, ça c'est cadeau. Allez, j'arrive. Aïe! Ok. Très bien. Superbe. On gère, les gars. Ok. Allez, ça dégage. Aïe! Vas-y, tire. Faire ça. Oh. Ok. C'est nouveau pouvoir. Je suis trop bête. J'aurais dû me soigner. Oh là là. Beck m'a dit de penser à mon avenir pendant qu'il créait mon illusion. Du coup, c'est vraiment à ça que je pensais. Ok. Oh, je vais mourir. On y est presque. Est-ce que vous vous débrouillez toujours? À peine. Tenez bon. Encore quelques instants. Oh là 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 là, faut que je mette tellement de coups pour toi. J'ai pas promis que mon rêve allait prendre vie. Là, on est plutôt dans un cauchemar. Oh là là. Tiens, t'en fais que. Allez, dégage. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Toi? Il restait plus que toi. Voilà la platine. Allez-y, vite. Je pense que si vous terminez le morceau, vous trouverez un point de rupture dans le programme. Quoi? C'est bizarre son truc là, non? Voilà, vous devriez voir une sortie. Dirigez-vous vers le... Ok. Waouh, les gars, c'est trop bizarre ce qui se passe là. Est-ce réel? Donc là, il sait que je suis Spider-Man. Parce qu'il voit ce que je suis en train de dire. Vous allez bien? Ouais. Je suis vraiment désolé. On va tout faire pour comprendre ce qu'il s'est passé. D'ici là... Miles? Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah. Oh. Le futur du divertissement a encore des bugs à corriger. Salut! Jolie chemise! Et les chaussures, elles sont trop cool! Enfin, tout est cool! Salut Miles! Ganki? Les gars, c'est mon meilleur ami Harry. Il rentre de l'étranger et il est en train d'ouvrir un nouveau centre de recherche. Tu veux dire, nous sommes en train d'ouvrir un nouveau centre de recherche? Salut! Enchanté! Oh! Un nouveau job? Il te restera du temps pour les cours? On se débrouillera. On y va? En fait, cette attraction m'a pas mal perturbé. On rentre. Ok. C'était un plaisir, Harry. Pour moi aussi. Hey, ça va? Ouais. En fait, on se voit plus tard. On devrait passer du temps avec Miles, s'assurer que ça va. Ouais, je le ferai. Ok. Isabelle a l'air sympa. Dommage, ils vont louper la meilleure soirée de notre vie. Hein?
Ok... Bon... Ok, voilà le programme. Ce soir, on va se refaire le méga best-of de notre enfance, avec un top 3 de chacune de nos attractions préférées. Ok, ok, ok... Le fameux pistolet à eau. C'est maintenant. Allez, approchez-vous. T'as aucune idée de ce qui va te tomber dessus. Pour gonfler un ballon, me semble-t-il. On aura besoin. Non, Pete, tu vas gérer. Ok, tout le monde. Le doigt sur la détente, les yeux sur la cible. Viser, envoyer de l'eau. Oh, waouh. Attends, ok. Et les voilà partis. Le Coney Island Trophy fait son retour en grande pompe après 3 ans d'absence. Et nos valeureux concurrents ont l'air de tenir une forme olympique. Harry, qu'est-ce que tu fais? Bah quoi? Je te déconcentre? Mais ça ne marche pas. Oh, les trucs de fourbe. Vas-y, Pete. Pas facile, ça. J'aime pas les... Parce qu'il y a le détecteur de mouvement de la manette et... Ça va, ça va, ça va, c'est resté quelque longtemps. Easy. Alors, les noobs. Et notre champion titre... Ratio de la call-off, le Peter Parker. Attendez, vous voulez pas votre lot? Oh, ça ira, merci. Ça m'irait bien, une couronne. Ça, ah, le basketballs. J'ai bien. La suite du top 3, MJ Watson avec en guest le Speed Demon. Tiens, oui. Viens par ici. Comment je me suis laissé embarquer là-dedans? Ah, concentre-toi sur ce parfum popcorn. Comment tu peux penser à manger maintenant? Tu me connais. J'ai de nombreux talents. Ouais. C'est ça. Ok. Ok. Oh, c'est pas. Très bien. Maintenant ça, c'est fait. La chute vertigineuse est enfin derrière nous. Je suis trop fan de cette attraction. Ça, c'est fait. Ah, ouais, on a beaucoup de jeux à faire. Ma manette, les gars, fait que de vibrer, je sais pas ce qui se passe. Approchez, c'est comme ça. Allez. On aurait envie de faire quelques paniers. On est parti. Bon, souvenez-vous. C'est le switch parfait. Je savais pas que tu... Ma manette fait que de vibrer, wesh. J'ai tellement d'énergie ces temps-ci. Je m'intéresse à tout. Allez, un. Tu vois quand tu veux. Deux. Montre-lui ce que tu sais faire. Et... Évidemment. Et 3. Ouais, let's go. Ok, easy. Voilà, bon, les gars, la batterie de ma manette dans 30 minutes, c'est foutu. Hein. Je vous le dis. Ça fait que de vibrer. On a le jeu. Oh, le chamboule-tout. On pourrait se faire un chamboule-tout. Voilà, mon gars. Quoi, tu connais? El chambolos tutti. Allez, go. Il n'y a rien de plus stable que les structures en pyramide. On va voir ça. Moi, je connais quelqu'un qui a perdu 20 Coney Bucks au chamboule tout. Ouais. Tellement simple. Ça, jamais, c'est jamais de la vie. Hein. Ça fonctionne hein, dans les trucs comme ça, normalement. Ok. Ça, c'est fait. On a ça aussi, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi. Ah, c'est pour tester l'amour. Okay. Vous deux, teste allez valider amour. Votre coup. Moi, je vais de mon côté. Je vais tester mes vibes de Casanova. Bonne chance. Coupe idéale. Hein, pas de pression. Qu'est-ce que cette machine? Jamais essayé une machine comme ça. J'en ai jamais vu en même temps. Que tu devrais peut-être venir t'installer chez moi. Ou que tout est trop incertain pour qu'on l'envisage maintenant. Ouais, spectaculaire. Peut-être. Wow, ça peut pas être vrai. Il analyse quoi, ce truc, en fait? La température? Ou alors le pH de la peau? Ça m'étonnerait que ça soit aussi sophistiqué. Eh, par ici, on va faire celle-là. Ok... Bon! Allez, plus de 3. Il nous reste 3, 4 activités à tester. Risca. Allez, les tourtereaux, on n'a pas exploré tout le parc. Pas, je suis là. Attendez, c'est Tombstone? Qu'est-ce qu'il fait ici? On dirait qu'il est
mécano pour le parc et qui rend service. Merci de m'avoir tiré de là. Je sais pas comment j'aurais fait. On ferait peut-être mieux d'aller essayer les montagnes aussi. Bah, on l'avait pas croisé, lui, si ? Je suis pas fou. Tombstone, Mysterio. Ce parc est un aimant à super vilain repenti. Ok, donc on les connaît tous bien, mais putain, on les avait pas croisés. Allez, incroyable. Il nous reste incroyable. Encore des peut-être choses à on aura faire un coffret, les gars, si on fait toutes les attractions. Il y en a une à 125 mètres, avec un petit chat. Et on peut parler juste en face. Ah, bah oui, c'est le stand de Bichette. Vas-y, on va lui parler quand même. J'espère que Miles aura l'occasion de voir ça. Il y a du talent. On est sur une pure expertise des couleurs. C'est à la fois familier et novateur. Ok, merci, Harry. Monsieur a retenu ses cours d'histoire de l'art. C'est la sécurité. Il y a un truc que je piche pas, les gars. Vraiment ? Je cherche un pigment. Que veut ton admirateur secret ? Jonah ? Rien. Pas un mot sur mon article, pour l'instant. Quand je pense que c'est ton chef... Vous savez quoi ? J'ai besoin de taper un truc. Ok. Ça en fait des bras. Allez. On va essayer de tous les faire. Hein. C'est la meilleure nuit de ma vie. Et Harry, moi aussi. Je veux fêter mon anniversaire ici cette année. Je pensais pas revivre ça. Il y en aura plein d'autres. Ok. Bon. C'était génial. Oh, trop bien. Encore deux. En fait, faire toutes les attractions, c'est un peu long, mais je me dis, ils ont pas fait ça si on n'est pas récompensé, tu vois. Ah, il y a un truc là-bas, aussi, encore, et là, on a un truc aussi ici. Je me dis, ils peuvent pas faire quelque chose d'aussi long s'il n'y a pas une scène, où, tu vois, ou un bonus, quoi. Bon, le jeu est beau. Hein. J'irais bien voir si la machine à pince est aussi manœuvrable qu'à l'époque. Vous m'accompagnez ? On arrive dans 2 minutes. Je suis contente qu'il fasse ce qu'il aime. Tout déchiré à la pince ? Je te parle de la Fondation. C'est génial ce qu'il fait. Ça va aider plein de gens. Je suis sûr que ton livre a aidé plus de monde que ce que tu crois. Tu vois toujours le verre à moitié plein. Il vaut mieux ça que l'inverse. Ok. Chaud devant. Prends la manette, fais que vibrer, c'est infernal. Il y avait un nouveau record à la pince. J'ai rien pu faire. Tristesse. Enfin, on va en faire de la purée de ces bestioles. Allez, ah, tap top. Let's go. Alors. Cette machine, on peut pas gagner là-dessus. Ok. Allez, mes paquets, sortez de votre cachette. Eh bah, dis donc, c'est Dark. C'est à moi. Bah, c'est pas des petits cochons. Je peux pas les menacer de souffler sur leur cabane. T'as jamais eu envie d'essayer de... Okay. D'être moins sarcastique? J'ai essayé une fois. C'était un mardi. Oui! Prends ça, saleté d'hydre! Je suis un monstre, là! Hey, MJ! Tu vas bien? Nickel! Merci! Allez, MJ! Montre-leur à ces hydres qui a des pouces opposables! Et ben voilà! Wesh, 40! Comment ça, mon frère? Ça fait du bien. Alors, t'imaginais la tête de qui? Sur les taupes. Transfert classique. Clairement, Jonah, ça va de soi. Qu'une attraction et le lot est à nous. Ok, ok. Une attraction, elle était où déjà? Elle était là-bas. Allez, on va la faire et on va pouvoir mettre fin à cette vidéo et se retrouver très prochainement, évidemment, vous l'aurez compris. Vous trouvez pas ça dingue que dans un autre univers, je serais pas là en ce moment avec vous? Je serais juste... plus là. Mort, sûrement. Ou toujours sous traitement. Mais heureusement, on n'est pas dans un autre univers. Non mais, je veux dire... c'est... je passe une super soirée. Je suis vraiment content qu'on soit tous là. Je suis content de vous voir. Oh non. Effet secondaire, ce traitement médical peut rendre tout mielleux. C'est un effet secondaire de traîner avec toi, ouais. Et bim ! Ah, tu m'as manqué, copain. Ah, va falloir qu'on passe... falloir qu'on passe l'escalier. Bon, on y va les amis, on va la faire cette dernière impression. On est plutôt pas trop mal et en plus, à la sortie, si vous regardez bien, à seulement 30 mètres, on aura fait littéralement tout le tour. Mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens méchants.
Donc c'est très bizarre, ça peut partir en couille très vite. Hein. Et ça va d'ailleurs, je pense, partir en couille très vite. Allez. Oups. C'était tellement plus grand que dans mes souvenirs. Ça fait un bail. Les tickets coûtaient tellement moins cher il y a 10 ans. Mais ça faisait deux fois plus mal à notre argent de poche. Tu m'es... Regardez, on peut faire ça. Alors, ça fait quoi? C'est super haut. Ou tu voulais dire d'être aussi beau, irrésistible? D'être Peter. C'est sympa d'être Peter. Tous les deux, on aurait besoin de plus de soins, comme ça. Ouais. On dit tout le temps qu'on va le faire, mais... Là, c'est juré craché. Mais... pas tout de suite. Trop haut. Ok. On va jurer cracher plus tard. Ok. Bon. On a terminé toutes les attractions, les amis. C'est tellement calme là-haut. Je disais. Mais ça faisait deux fois plus mal à notre argent de poche. Tu m'étonnes. Et la voilà, aller au stand pour récupérer le lot. Bon, bah ça valait le coup tout ça. Allez, on y va. C'est sûrement une sorte de petite quête secondaire qui était à faire. Très cool en tout cas. Très très cool. Attends, quoi? Qu'est-ce que c'est? Ok, je viens de penser à un truc. Pour Halloween, cette année. Costume en groupe. Celui-là, il est plus proche, non? Oh, oh oui. Bon, ok, ok. La manette fait que de vibrer, hein. C'est terrible. Hein. Je sais pas combien de temps la batterie va pouvoir tenir comme ça. Spider-Man, c'est ancien. Est-ce que c'est un bug de ma manette? Ouais, les morphs se sont démocratisés. Oui, c'est pour ça que je t'ai engagé, Pete. Pensée disruptive. Ça marche. Thème de cette année. Allez, nous on va récupérer le prize. Parfait. Je me demande ce que c'est quoi, un autocollant, un stickers? Ou peut-être de l'expérience qui serait incroyable? Ou une grosse peluche? C'est du sérieux maintenant, tous les prix à gagner. C'est mieux que le distributeur de bonbons que j'ai gagné la première fois. Choisir le prix. Ah! Et ben voilà! C'est très bien comme ça! Je vais jamais enlever ce truc, vous êtes au courant? Tu peux te mettre ça pour aller bosser? Le cofondateur approuve. Eh bien les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas... Oh! Un pingouin avec des écouteurs. N'oubliez pas un j'aime et un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de notre quête principale. Ça risque de swinguer, vous l'aurez compris, très 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 vite. Pour le speed démon. Allez, à bientôt tout le monde, bye bye.